président, Tshisekedi du président, Tshisekedi du président, Tshisekedi du président, Tshisekedi du président. Ça, on a spéculé sur votre visite. Est-ce pour des raisons médicales ou bien c'est pour des contacts politiques? Oui, pour le mandat politique, oui, pour l'intervenir là. Oui. Et avant de quitter, vous vous êtes enrôlé pour les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Point de besoin de rappeler que vous êtes vous-même candidat. Et c'est pour dire que malgré tout ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose, vous irez jusqu'au bout? Absolument. Parce qu'il s'agit des dernières élections, il s'agit de. Des élections où le mandat de Kabila est terminé, donc par conséquent, il faut absolument participer à ces élections pour pouvoir l'éliminer. Autrement dit, le 6 décembre, il devient citoyen simple, c'est cela? Absolument, comme vous et moi. Mais ils nous ont parlé d'une transition. Est-ce qu'on est pour ou contre cette transition? Et dans le cas où, parce qu'on voit que les Français veulent déjà mettre Kengo comme pion pour remplacer pour la transition, pour ou contre?
Si vous faites intervenir les Français, c'est que vous, les Congolais, le peuple congolais, vous êtes défaillants. Il n'est plus le moment, après l'exemple donné par le Nord de l'Afrique, il n'y a plus question que les étrangers s'occupent des Congolais. Voilà. Vous êtes là pour cela. Ouais. Si vous décidez que c'est la fin, c'est la fin, ça sera la fin. Nous voyons que M. Kamer se promène partout et est en train de rouler pour sa propre cause. Est-ce que vous cherchez, il y a un rapprochement qui essaie de se faire, vu que vous êtes quand même l'aîné. Est-ce que vous cherchez à faire un rapprochement ou bien il roule vraiment, ou bien vous cherchez quand même pour qu'il y ait une seule candidature? Si M. Kamer est réellement de l'opposition, il est parmi ceux avec lesquels nous allons négocier pour pouvoir trouver un candidat commun. D'accord. Maintenant, la loi électorale est en discussion au Parlement. Si, comme on l'entendait, pour une raison ou une autre, vous êtes écarté de la présidentielle, quelle sera l'attitude que vous allez adopter? Ah non, là, ça sera de la Tunisie. Hein. Ah ouais. Si, si, attendez. Une dernière question, monsieur le président. Ces gens nous amènent aux élections sans recensement. Dès que vous êtes au pouvoir, vous ferez un bon recensement de Congolais et que chacun après puisse avoir une carte convenable comme en Europe. C'est l'état de droit. C'est bon. Ça va, ça va.